Cette prochaine chanson s'appelle Rêves admis. C'est aussi une chanson plus ancienne et qui part de l'utopie qui consisterait à pouvoir partager ses rêves, rêver à plusieurs sur le même sujet, vous voyez. Alors bien sûr, la chose est impossible. Et puis c'est peut-être aussi bien comme ça, puisque les rêves sont un exutoire incroyable pour le subconscient. Mais bon, l'idée avec les chansons, on peut dire un peu ce qu'on veut. Donc l'idée, ce serait de pouvoir partager un rêve avec la personne qu'on aime, comme on partage les belles choses de la vie, un bon fruit, une bonne bouteille de vin. Ou... Voilà. Et je me suis permis d'emprunter deux strophes d'une chanson traditionnelle merveilleuse, parce que le texte collait tellement bien avec mon histoire que j'ai pas pu résister. Je suis sûr que vous la connaissez, mais on verra ça après la buvette. On va voir si vous êtes perspicace. C'est peut-être la chanson traditionnelle la plus connue de tout le répertoire. La chanson s'appelle « Rêves à demi ». Les rêves se partagent comme on partage un fruit. Nos rêves à demi. Je m'en veux d'être seul, je lui en veux aussi. De ne pas avec moi traverser cette nuit, dépasser la pâleur de ces matins petits. Oui, mais c'est là. Oh,